Quand j'étais enfant, j'ai toujours dessiné. Par contre, c'est vrai que même si le dessin était extrêmement élaboré, il y avait toujours un moment donné où il y avait une grosse tache sur le dessin, c'est-à-dire quelque chose qui sabotait carrément le travail. Ça pouvait être une heure de travail. Et puis je me rendais compte que cette tâche, elle n'était pas venue par hasard. C'était quelque chose d'inconscient qui arrivait comme ça, une forme de sabotage ou d'auto-sabotage. Et puis à la fin, bah, forcément, bah, je le déchirais, je le mettais à la poubelle. Et puis si j'étais de bonne humeur, éventuellement, je recommençais, j'en faisais un autre, parce que je créais chaque fois une histoire à travers mon dessin. Inconscient, je l'ai mis de côté pendant des années, jusqu'au jour où j'ai quand même réalisé que de toute façon créer c'était quelque chose de plus fort que moi. Et puis les années faisant, bah, je me suis retrouvé dans une école d'art. J'ai fait l'école supérieure d'art visuel à Genève, avec l'objectif d'apprendre quelque chose. Malheureusement, je pense que je n'ai rien appris puisque j'ai compris assez tardivement que dans cette école, on arrivait déjà avec un travail. Et puis, on nous mettait à disposition des profs et des salles pour pouvoir l'élaborer. Et moi, ce que je voulais, c'était apprendre quelque chose, un métier, quoi. Jusqu'au jour où je suis parti vivre à Barcelone, j'ai commencé une école d'art. J'y suis resté 2 mois. Et j'ai découvert surtout les travaux d'Antoni Tàpies. J'ai trouvé un travail plutôt de matière, de matiériste, symbolique. La figure n'avait plus tellement d'importance et pour moi c'était bah, une espèce de révélation car en réalité la figure, je m'en foutais un peu, c'est-à-dire que ça a été un prétexte pour créer, mais à un moment donné je me suis rendu compte que la matière c'était quelque chose de vivant. Et du coup je me suis vraiment intéressé plutôt à ce que la matière pouvait me rendre comme émotion. Et puis j'ai commencé à la gratter. Et il y a eu des traces et je me suis dit, tiens, mais ça c'est intéressant parce qu'en fait on met de la matière, mais on peut aussi l'enlever. Mais en fin de compte, c'est une démarche de sculpteur, quoi. Un sculpteur, il taille une pierre, il enlève de la matière pour en faire quelque chose. On peut modeler, on crée un volume. Mais tout à coup, je me suis dit, mais tiens, mais ça c'est. C'est une révélation. Mais en fin de compte, tout s'est un peu positionné à ce moment-là parce que je me suis rappelé en même temps ben voilà, de la démarche de Rauschenberg quand il a été rencontré de Kooning et qu'il lui a proposé d'effacer un de ses dessins. Puis tout à coup, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Ben voilà, c'est le lien avec mon enfance et ces fameuses taches qui, en fait, déformaient ou détruisaient mon travail. Et puis, ma manière de voir le monde, de constater qu'en fin de compte, dans ce monde, bah, les choses sont là à un moment donné, mais qu'elles finissent par disparaître de toute façon, ou bien on finit par les voir autrement, je me suis dit, bah, tiens, 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 ça, bah, c'est moi, en fin de compte. Et le fait de l'assumer et de pouvoir le mettre dans un processus créatif, pour réaliser quelque chose que je considère personnellement comme de l'art, je me sens complètement en phase avec cette démarche. Dans ma démarche, je me réapproprie tout ce que j'ai entre les mains et je le transforme. À un moment donné, je me suis intéressé aux magazines d'art.
Pourquoi? Parce que le magazine d'art, c'est l'objet qui véhicule l'histoire de l'art, l'information sur les artistes. Le magazine d'art est international et il est en toutes les langues. Même si on ne comprend pas ce qu'il dit, on voit des photos. Les photos, ben, nous inspirent, pourquoi pas. Mais cet objet qui parle de l'art, tout à coup, de le passer au mixeur et d'en faire une feuille de papier, c'est-à-dire l'objet qui parle de l'art nous ramène au support le plus basique qui soit, c'est-à-dire une feuille de papier sur laquelle on peut faire n'importe quelle représentation. Ben, du coup, je me suis dit, mais ça m'intéresse, quoi. Parce que le fait de pouvoir transformer ce matériau qui parle de l'art en objet d'art, c'est une mise en abîme, en fait, que je trouve assez exceptionnelle. Et je m'inclus complètement dans le discours, je me l'approprie. Et du coup, bah, comme je dis, je suis international, puisqu'en fin de compte, je peux passer au mixeur un magazine japonais, italien, espagnol, allemand, français, etc. À la fin, c'est moi qui, de toute façon, fais partie de son discours. Tu vois, c'est un bel objet. Et je me réjouis de le transformer. Il est vraiment très intéressant, il est très beau. Très belle qualité de papier. Superbe, quoi. On voit qu'ils ont les moyens, quand même, de faire quelque chose de beau. Et j'adore, en fait, regarder les images. Parce que je me les approprie. Je trouve que c'est une forme de respect vis-à-vis du magazine qui va être transformé. Voilà, je vais en faire, je vais lui donner une nouvelle vie. Ça va être c'est un objet qui véhicule l'information sur l'art qui va se transformer en objet d'art. Je vais conserver la première page parce qu'elle me donne des indications précises de cet objet. Il y a une date, un numéro. Je vais les garder et à la fin, c'est le certificat comme quoi le papier que j'ai entre les mains est bien cet objet d'art. Le moment où je crée l'objet, c'est le moment où j'ai du plaisir à le faire. Et je suis dans un état où tout à coup, je suis complètement déconnecté avec la réalité. Je suis vraiment dans un état créatif. Et des fois, je me dis, mais tiens, même si c'est raté à la fin, tout ce moment qui m'a permis de réaliser l'objet, c'est un moment assez exceptionnel en fin de compte. Et puis pour moi, c'est ça le plaisir de créer. Après, ce qui reste, si ça fonctionne, c'est génial. Parce que ça permet en fait de passer du concept à la réalité matérielle de l'œuvre. C'est-à-dire que tout à coup, on part d'une idée, puis on se retrouve à la fin avec quelque chose de palpable, quelque chose de réalisé. Quelque chose qu'on peut observer. Et tout à coup, ce qu'on peut observer devient l'œuvre d'art, quoi, ou un objet. Ce que je trouve d'extraordinaire dans le processus créatif, c'est le cheminement. C'est facile de déchirer, de détruire, de maltraiter quelque chose, mais quand c'est un acte gratuit, ça n'a aucun sens et ça ne sert à rien. À un moment donné, moi, j'ai dû apprendre à maîtriser en fait tout ça pour essayer de comprendre pourquoi je le faisais. Et j'ai réalisé que ce qui m'intéressait, ce n'était pas de détruire pour que ça disparaisse, mais c'était de détruire pour transformer, c'est-à-dire de voir autrement la matière. Par exemple, quand je cassais des assiettes, je ne cassais pas une assiette pour la casser, ça ne m'intéresse pas, mais je me suis rappelé qu'il y avait une coutume grecque, où quand on casse des assiettes, c'est plutôt un acte symbolique, c'est un acte passionnel et c'est un acte d'amour. Et pourtant,
casse une assiette. Et j'ai organisé en fait des performances où j'invitais des gens à manger. Et à la fin du repas, je leur demandais de faire un vœu et de casser leur assiette. Et à la fin, on réalise une pièce ensemble. Ça devient tout à coup quelque chose de... C'est une sculpture en fait. Voilà, une sculpture réalisée en commun. Il y a deux aspects. Le premier aspect est de l'ordre du visible, du concret et du palpable. C'est l'objet fini, l'objet qu'on accroche au mur et qui dorénavant a sa propre vie. Et puis, il y a pour moi, ce qui est plus intéressant, c'est toute la démarche. C'est une démarche un peu plus philosophique en fait, puisque c'est le sens même qui fait que j'aime créer. C'est tout l'aspect de la transformation. Je cite un philosophe allemand, je suis tombé sur cette phrase et je trouvais qu'elle me parle complètement, Monsieur Friedrich Theodor Wischer, un philosophe allemand, qui dit: Notre époque n'a pas de présent, seulement un passé et un avenir. Nous sommes à la recherche de nouvelles formes de vie. Concrètement, le magazine d'art, avant que j'aille entre mes mains, bah, il avait un sens. Il avait sa propre histoire qui était déjà passée, puisqu'il raconte quelque chose qui est déjà passé. À partir du moment où je m'approprie l'objet et je le transforme, bah, il est bouleversé, quoi. En fait, on bouleverse complètement le sens même de la réalité, le sens même de pourquoi cet objet il a été conçu. Mais peut-être que pour moi, cet objet il a été conçu pour que je l'aie entre les mains et que je sois l'intermédiaire qui lui donne une nouvelle vie en fait. Et c'est là concrètement où je me sens complètement impliqué dans cette démarche, puisqu'à un moment donné, je sais que je vais lui donner une forme d'intemporalité.